Zami famille Anoué Lakay, après intervention la police dans fief barbecue dans Delma 6, chef Izo décide attaquer base Simon. Côté drone bandi vivant sans mio, prend image toute activité dans base Simon. Yon l'autre côté gen 22 conseillers policiers internationaux et fonctionnaires dans l'ONU qui quitté Haïti cal caché dans Panama cause de violence gang yo. N'a vini avec plusieurs éléments de formation pour vous. Dans quatre dossiers si là. Donc après révocation PM Gary Conille, yon gros cadre dans mission force multinationale l'a déclaré que mission ont trouvé dans gros difficulté pour atteindre objectif li après révocation PM Gary Conille. Eh bien, zami famille Anoué Lakay, chef abinu en Haïti qui c'est Maria Isabel Salvador, t'es démenti information qui t'a fait croire que l'ONU quitté Haïti pour violence en gang yo. Eh bien, selon yon article du réseau Nord-Ouest, gen 22 conseillers policiers internationaux et fonctionnaires dans l'ONU qui quitté Haïti qui rentré Panama. Eh bien, mais 4 éléments nous préal garder ensemble zami famille nou yo. Donc premièrement, c'est intensification de violence yo Haïti. Eh bien gang armé yo contrôlé donc en une grande partie dans Port-au-Prince et puis plusieurs zones province qui provoqué un climat de terreur et puis déplacement massif de population. Violence là récemment là li conduit à fermer aéroport international Toussaint Louverture là pour une deuxième fois zami famille nou yo côté que bandi yo te tiré sous plusieurs avions commerciaux. Deuxièmement, départ personnel onusien yo. Donc à deux vols humanitaires qui transportaient 22 conseillers policiers internationaux et puis fonctionnaires l'ONU yo quitté Haïti, yo ran yo temporairement dans Panama. Donc en mesure ça, c'est pour protéger personnel yo face à gravité de insécurité dans pays d'Haïti. Troisièmement, zami famille nou yo, ki wòl stratégique que Panama li même ni joué, eh bien Panama li accueilli vol humanitaire sa yo pour 3 jours, li réaffirmé engagement li pour li soutenir la paix et coopération internationale. Le gouvernement panaméen li offri yon assistance à membres mission onusienne yo et positionné yo comme yon acteur clé nan gestion crise régionale. Quatrièmement, yon gros défi persistant pour Haïti malgré présence en police kenyan yo nan yon mission qui soutenu par l'ONU, et bien situation en Haïti yon, donc li continuer détériorer. Donc instabilité politique la marquée par démission récent de PM Gary Conille qui vient aggraver problème sécurité et humanitaire là dans pays zami et famille nou yo. Donc en parler de force multinationale là, donc nous va regarder ça ensemble selon Aibo Post gagne un gros placé dans mission 1 qui dit après évocation de Gary Conille là. Eh bien, force là, li nan gros difficulté pour que li atteigne objectif li. Donc, n'a pas gardé ensemble. Eh bien, 24 novembre qui sont passés là, la police a intensifié donc attaque yo nan Badi Delma. Opération côté que nous avons gagné 14 transports de troupes, machines blindées, donc qui était envahi barbecue nan Delma 6. Côté policiers ont rivé nan fief barbecue, yo crasé piscine tout ou gagné nan Badi Delma et malgré toute unité sa yo barbecue li arrivé échappé zan mi famille nou yo. Gen machine barbecue que la police a crasé, gen piscine ni, je nous so dit que la police a l'écrasé dans un moment ça, gen poteau électrique que la police est mettée à terre donc pour empêcher courant rentrer dans base barbecue dans Delma 6. Donc image ça vous regardez là, c'est monsieur Vivant Samio, donc Izo qui mettait drone ni en l'air qui gagne contrôle toute activité qui a passé dans base et Simo.
Action ça a passé après que la police soit menée opération au niveau de Barry Delma. Donc c'est la police qui doit gagner donc un genre d'équipement ça yo donc pour que li gagne bon genre de renseignement de activité gang yo pour le gagner radio de communication pour le gagner agent de filtration tout ça et puis pour le gagner donc bon genre information données yo pour analyser pour que yo gagne et un plan. Donc on peut créer une stratégie pour que yo mené attaque nan base yo pour que yo démantelé. Mais malheureusement, nous voyons que c'est bandi yo capitaliser technologie en comptant force de l'ordre. Pendant que nous gagnons ministre affaires intérieures, nous gagnons ministre de la justice de la sécurité publique, nous gagnons premier ministre là qui c'est chef CSPN qui nan tête la police là. Nous gagnent tout police en judiciaire, ça nous relé DCPJ. Donc c'est eux-mêmes qui mènent enquête, qui gèrent renseignement donc pour la police là. Donc t'as semblé que monsieur Sayo il prend question de sécurité pays, il prend vraiment vraiment à la légère. Donc comment pour ISO donc il gagne tout droit ça pour mettre drone en l'air sans que yo pas descend drone ça. Bon côté Konatel, Konatel qui c'est entité qui gère communication dans pays hein. Donc côté équipement Konatel parce que nous on que le camp émission pour canter la parole parce que il a fait promotion pour gang mais qu'on y a que gang utilisé tout moyen de communication, radio communication, drone pour prendre image pour que y ait bon renseignement pour que y attaquer monsieur. Donc côté Konatel passé. Gagné Sami Sati qui attaqué barbecue dans yon vidéo que nous allons inviter au tendez. Donc t'as semblé que si monsieur lui-même était sous pouvoir là, a fait question de barbecue, on pas existé encore. Donc gens que monsieur qui l'a eu a bêtisé avec barbecue, mais Sati dit que s'il était Haïti ou bien si que il était dans tête pouvoir barbecue pas tape là encore. Il fait qu'on est que c'est ambassade américain qui kembe barbecue en vie toujours. Donc entendez, donc une déclaration que Sami Sati lui-même les faits amis famille yo. Comment y est barbecue? On dit que si au Libanais a brassé, si au Libanais a son fatra. Même ba on si au Libanais moi-même, son haïtien, natif natal, petite palestinien. Et de pourtant de parler mot palestinien de le monde entier qu'on palestinien c'est nèg qu'habitue manger grain vagabond pour yo. Nous manger grain yo. Mon ka fon erreur parce que m pa bon Dieu. La date qu'on va mourir même qu'on on va mourir. Même Jean Green sonné la bannière Ravix Rémi Sainte, Dredville mais Ronald Cadav, Manilo et tant d'autres. Non on va entrer dans liste criminel enragé yo et puis a même blier nous après. Pa nous non barbecue. Yo pa même songe encore. Parce qu'on sont criminels sans pareil, un psychopathe qui vient défrayer la terre, qui fait des bagailles affreux, des bagailles lugubres. Haïti, c'est théâtre là. Cap garde un malade mental, cap déploye colère li. Un forfait. Plein de sang et de lâcheté. C'est nèg lâche qu'en couille, qui pour faire bagaille ça, yo. M'a répété. Comme moi, quand on lit français, on t'a l'école, grâce à pays, avec tes mettons, t'y vas qu'à bon courant l'école. Même pas l'on t'y bagaille pour là de Victor Hugo en français. Parce qu'il vaut mieux convaincre que vaincre. Amis et frères, en présence de ce gouvernement infâme, négation de toute morale, obstacle à tout progrès social, en présence de ce gouvernement meurtrier du peuple, assassin de la République et violateur des lois, de ce gouvernement né de la force et qui doit périr par la force, de ce gouvernement élevé par le crime et qui doit être terrassé par le droit, l'haïtien digne du nom de citoyen ne sait pas, ne veut pas savoir s'il y a quelque part des semblants de scrutin, des comédies, de suffrage universel
et des parodies d'appels à la nation. Il ne s'informe pas s'il y a des hommes qui votent et des hommes qui font voter. S'il y a un troupeau qu'on appelle le Sénat et qui délibère, et un autre troupeau qu'on appelle le peuple qui obéit. Victor Hugo, 1852. Ou maintenant, Nabvinsou, Mke Popoz. Et, ma travail, m'a pas besoin de travail, m'a pas bien en Haïti, qu'on casse les ou qu'on vole, m'a pas gagné l'argent en Haïti. M'a dit qu'à l'âge, m'a quitté ça, m'a pas occupé. Mais, n'est-ce que vous avez depuis m'piti, m'a dit m'a mangé zizié, m'a dit que tout bon nègre, j'étais toujours péri dans mes vacabons. Alors, m'a fait mon devoir comme enfant. M'a dit, mais moi, même à mon bon nègre, même à mon chasseur de bandits. L'aime d'ab vivre en Haïti, pendant toute zone, Ricoub, toute zone là, ville là, derrière cafétéria, toute zone là, pas de gon bandit, parce que m'de gon force de sécurité, tête calée, m'pas de gon uniforme, j'en bon pied. Mais qui te sans uniforme, kap krasé, vacabon, que gouille, ça l'été. Vous comprenez? Yo te mangé, yo debine parette. Vous comprenez son machin de glaté, et puis, li ba nou grandiri pou le ba nou, c'est comme ça nous yo servi avec gogo nou yo. Nous pas comprendre. C'est seul bagay nous comprendre, c'est plomb. Et ben nous pral bon plomb. Nous pral bon plomb. Plomb et pas jamais oublier. En vont mourir, ou a changer que te gon nèg te relé Joyce Sami Sati qui te dit qu'on pral mourir. C'est dernier moun nous pral songer c'est moi. Parce que si t'es vraiment que t'es chef en Haïti ou t'es mouri déjà. Si c'est pas d'Américain qui t'a magouillé ou t'es mouru déjà, on est qu'un coup pas fait pour sous la terre. Mon pral servir dans exemple, nous pral font loi, il est la loi de barbecue, pour nous barbecue tout vacabon pareil. Alors, à bon entendeur, salut et tout le monde qu'on juge. C'était Sami Sati. Sami Sati, donc, qui déclarait, donc, sécurité, dans place, monsieur, qui là, barbecue pas d'exister encore. Donc ça c'est déclaration que Sami Sati. Peut-être on va connait que s'il était vraiment sous pouvoir, c'est pas la pour la faire parler. Force multinationale là, yo était dans opération dimanche sur passé là côté que barbecue arrivé sauvé. Mais monsieur yo, selon article de Aibo Post, yo nan gros problème nan moment que n'a parlé là. Yo gros cadre nan mission Kenya déclaré à Aibo Post après révocation PM Gary Koni, eh bien, forcément, ni nan gros difficulté pour que li atteigne objectif li. Donc, nous va présenter au 50 gros points nan atik sa que Aibo Post li même li mette de yo. Donc, premièrement, donc, changement gouvernement haïtien, donc, li ralenti travail lan, ensemble avec un conflit logistique, avec une relation difficile nan MMA et nan force multinationale lan, donc, avec police nationale d'Haïti. Donc, mission 1, il y a fait face à yon avion retard parce que li besoin recommencer discussion avec un nouveau équipe gouvernement après révocation PM Gary Koni. Deuxièmement, on a regardé efficacité limitée dans opération yo. Donc, seulement 300 policiers Kenya et cap travail sous terrain pendant que reste troupe lan et fait travail stratégique yo dans bureau. Donc, policiers haïtiens yo critiquer Kenya yo pour passivité yo pendant opération yo ak rita sou collaboration et mutuelle yo. Donc troisièmement, gen croissance et gang yo, mais gang yo contrôlé presque toute capitale lan ak en pile zone pendant yo augmenté attaque yo sur infrastructure important yo, tant kou aéroport ak route principale yo. Nan 3 mois plus passé 1740 moun mouri ou soit blessé pendant que 700 000 l'autre monde obligé déplacer zami fami nou yo. Donc quatrièmement, gen réalisation limitée malgré et pression Kenyan yo réclamé que yo té ouvri quelques routes ag business nan Port-au-Prince. Mais en pile haïtien souterrain pa wè impact positif en travail que monsieur Kenyan yo fait. Yo suspecte que information stratégique que la police a partagé yo rivé nan men gang yo. Donc cinquièmement, selon article Aibo Post lan, mes critiques sur stratégie ak manque de ressources.
troupe Kenya yo a tande nouveau équipement ak troupe nan fin mois novembre nan pour déployer que mois novembre nan li même déjà presque fini donc pour que 600 Kenya t'arrive dans pays an. Donc le qu'on est est-ce que c'est 1er décembre arrivé eh bien Kenya yo mette accent sur frustration haïtien yo yo mandé donc pour yo patient et pour que yo ka progresser zanmi famen nou yo donc malgré présence en symbolique donc en force multinationale là qui a fait face avec un gros défi logistique politique avec sécurité donc qui limité donc en efficacité li nan contrôle pour contrôler gang yo yon solution est solide besoin pi bon collaboration entre haïtien yo avec international avec force internationale là donc ensemble famille nous donc ça c'est article que Aibo Post les mêmes les mettait de problèmes que mission les mêmes l'a traversé dans moment après révocation de Gary Coney. Donc nous allons aux États-Unis et bien États-Unis donc en ayant interview avec Fox News gen Tom Ammon qui c'est moun Trump nommé pour aller gérer question des frontières là et bien li fait qu'on est même si état yo campé en quoi ça cap fait là la barrière fait Tom Ammon menacé pour le mettre magistrat Denver qui c'est Mike Johnson en prison c'est le penser li que li ka campé li ka fait une menace en son plan déportation président élu donc responsable causé frontière là qui c'est Tom Ammon donc qui campé red derrière projet tromplan encourager tout immigrant qui vivent illégal sur territoire américain pour déporter tête yo pour compte yo donc si yo pa vle prendre prison pour plusieurs années ou bien interdiction pour que yo rentre États-Unis après 20 l'année même si ou gen ti moun ki américain ou pa ka appliquer pour résidence yo pa ka appliquer pour résidence pour si yo déporté ou c'est ça Tom Ammon déclaré li dit si yon moun a déporté tête li ka choisi aller ak petit li s'il vle eh bien yo l'autre côté gagne Donald Trump président élu hein donc qui paraît là pour monter tarif yo sur Mexico Canada la Chine sur produits qu'a importé yo eh bien nous gagne la voix de l'Amérique donc qui bah non plus détail. Trump a annoncé aussitôt qu'il finit prêter serment pour deuxième mandat comme président. Libéral mettait une tarif taxe 10% sur toute importation aux États-Unis, avec une 60% en plus sur toute marchandise qui a sorti dans le pays la Chine. En pile consommateur inquiété par annonce ça, parce que yon pensait que prix produit qui a sorti pays la Chine, yon courait rad fashion, produits électroniques, produits alimentaires, automobiles, pral affecté. Économiste haïtien Peterson Benjamin Noël pensait différemment. L'ité bay VOA Creole plus explication. C'est pas la première fois que Donald Trump a annoncé et pas bien monsieur le président déjà elle te prend des tarifs sous produits chinois il pas vraiment gain impact sur sous prix aux États-Unis raison est simple parce que tarif là c'est on est capable dire son zab à double tranchant ou capable d'utiliser les augmenter prix mais au moins on ka faire tout le carré nous plus compétitif dans augmenter job là kayo mais ça que ancienne administration Donald Trump a fait il pas seulement agi sous tarif là côté que il te met en moyenne de 25% sur produits chinois yo, mais il était assuré le tout li baisser taxe sur corporate taxe sur entreprise qui était pratiquement moyenne 31-36% elle était passé là 26% qui donc lorsque au grand tarif qui augmenté taxe sur corporate diminuer living en forme de compensation qui fait que nous pas connait ça que un pile économiste t'a prédit pour dire que pral gagner en augmentation surtout au niveau de l'inflation. N'a pas plein que administration Biden n'a pas retiré tarif que Donald Trump t'a metté. Moi pas d'avis quand pile monde qu'a fait mon peur oui pral gagner augmentation des prix ça pral dépendre de comment qu'on fait et ensuite à travers le temps tout. Est-ce que tarif Donald Trump peut pas affecter directement l'économie Haïti a économiste ça te répond. Mais pour Haïti ça sont l'autre question parce que on peut arriver dans une situation côté que oui il est capable bon certain impact mais pas oublier c'est soit l'acheter produit à partir des États-Unis. Haïti son pays qui est extrêmement ouvert d'ailleurs aujourd'hui nous presque pas de tarifs sur ensemble de produits que nous importons surtout de la Chine mais pas oublier que si prix baisse aux États-Unis, il y a une possibilité pour que les Chinois eux-mêmes baissent prix pour que nous-mêmes nous capables bénéficier tout. Donald Trump fait un pile promesse que les dit pourrait réaliser pendant le deuxième mandat li, que c'est dans le domaine économie, immigration, politique étrangère, réforme gouvernement et c'est le monde entier captant et cap suivre qui gens ça va passer pendant prochains 4 ans et dernier mandat président élu républicain. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Plusieurs millions dépensés pour rétablir sécurité dans le pays.
soit bon côté international là, donc qui gagne une force multinationale qui c'est Kenya qui vient pour aider PNH là rétablir la sécurité, mais jusqu'à présent c'est zéro résultat. Donc gros baron yo, gros ricain yo nan bandi yo, yo toujours là à bail problème barbecue iso ti l'appli l'amour sans jour vite l'homme innocent, donc yo même yo toujours donc sous terrain. Pendant que nous voyons que l'État, force de l'ordre local, c'est jouer que y a joué avec la sécurité pays. Tellement y a joué avec la sécurité pays, eh bien, y a gagné l'argent de renseignement pour que y a acheté équipement, pour que y a gagné bon genre de renseignement sur l'activité gang. Eh bien, l'argent ça, c'est gagoté que le gagoté. Donc, c'est et voyez que y a voyé pour gérer base. Nous voyons que gagné Emmanuel Vertilaire, qui se représentant parti petit de Dessalines, dévoyé 1 500 000 goudes dans au cap pour que le dégérer basli zami famille yo. Donc avec un conseil présidentiel ça, Wadim, qui ça que vous pensez, est-ce que monsieur ça a arrivé donc finalement résoudre problème de insécurité. Pas oublier abonner avec channel là pour pas rater aucune vidéo. Donc n'a rejoindre dans prochain vidéo qui apparaîtra sur écran.